dit bienvenue dans le journal là. On va démarrer tout de suite avec information yo. Président République là, Jovenel Moïse, participé mercredi 10 octobre là dans lancement programme appui à entrepreneuriat jeunesse là. Programme ça qui réalisé sous direction ministère commerce et industrie et puis commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle jeune. Rivé sélectionné environ 150 projets entreprises parmi plus passé 1000 candidats sous ensemble territoire. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay pour un reportage. Programme d'appui à entrepreneuriat jeunesse la Papège gen la donne jeune fille et garçon qui sorti dans 10 départements pays a. Déjà gen en valeur 150 entreprises qui lancé dans divers coins pays a qui regroupé 577 jeunes entrepreneurs. C'est une série projet qui gen en pile avenir dans secteur affaires. Ministère commerce et industrie bay jeunes entrepreneurs sa yo accompagnement technique et financier tant qu'au crédit à bon taux pour permettre business yo prendre élan. Pas aucune institution à travers pays a qui t'a accompagné nous si bien que Jean monsieur commission présidentielle yo ensemble de concert avec cadre ministère du commerce et de l'industrie au fait. Le débrouillot commerce Jean-Jacques pour joindre une façon que déposons comme pour nous prêter à un taux, bon, Mbappé l'emploi, on dit que, mais à un taux de 3% là, pendant ce temps que nous-mêmes, nous finissons d'établir le business, nous avons au moins un an de grâce sans pour bailler 5 ans, et puis, il n'y a pas qu'à prêter non comme ça pour moins que 10 ans. Jeune entrepreneur Sayo dit yo conscient de toute difficulté qui gagne pour yon moun louvri business sous marché a, surtout dans zone reculée yo. D'après jeune Sayo, programme appui à entrepreneuriat jeunesse la vin offri gros opportunité à yon catégorie jeune qui tape flané avec diplôme nan men yo sans aucun emploi. Président Jovenel Moïse, nous même 150 jeunes qui c'est premier bénéficiaire programme ça. Nous mandons pas la gué programme ça parce que son programme qui permet à ce que nous gagnions possibilité pour nous déboucher sur sa créer une révolution agricole. C'est un programme qui permet à ce que Haïti retrouve avec quantité d'entreprises qui étaient gagnées vers les années 80-90. Merci à l'équipe qui a géré le programme ça. Merci pour la transparence. Nous sommes juste Saint-Michel de la Talagne, par contre personne. Mais je ne dis pas, je prends le temps pour moi-même, pas devant toute foule ça, pour me bénéficier d'un programme côté M. Saint-Michel de la Talette. Président républicain Jovenel Moïse souligné détermination administration Languien pour intégrer un nouveau groupe entrepreneur dans le secteur affaires sans exclusion. Un nouveau groupe qui baille priorité à jeunes qui permettent de gagner accès à crédit sans yo pas besoin de marraine avec parraine. Décision, ça nous donne envie, nous. C'est la plus grosse décision que nous avons prise. Peut-être nous d'abord, pour payer nous ensuite. Je vais l'expliquer. 150 entreprises, 577 entrepreneurs. Mais nous ne pas dire combien de gens qui vont vivre. Non. Ce monde dit comment je travaille. Ça veut dire 177 millions de gouttes pour le. Et puis nous dérapons. Chaque entreprise a en moyenne 5 personnes. On dit 4 personnes et demi. Disons 4 personnes. 4 personnes. Avec dit maintenant, le. Chaque monde a une famille, des amis. Chaque entreprise a un emploi. Est-ce que nous comprenons 150 premières entreprises dans la zone côté nous autres qui n'ont pas que nous avons fait? C'est pour ça que je m'ai demandé, ministre du Commerce, campagne de communication, je ne parle pas la première ministre. Je suis très sensible à ça pour une campagne de communication massive autour de programmes pour jeunes et moi remercier ce sénateur qui donne pour tous qu'il te mette sur affaire mesdames yo. Et je connais responsable femme plurielle madame Claude qui là tout mais connais qui travaille qui fait pour mettre tous nos mesdames yo. Et ça est important pour nous en pile. Pour mesdames qui vivent dans la section communale, qui vivent dans la commune, pour ne pas comprendre, nous sommes seuls bagailles là pour faire.
C'est de rentrer dans la caille pour occuper le monde. Chef l'État a profité pour remettre symboliquement certificat par 5 entrepreneurs qui sortis à Bricot, Port de Paix, Fond des Nègres, Gromone et Gantier. Entreprise Sao a travaillé dans le domaine élevage cochon, assainissement de l'eau, poulailler, cassave et l'autre encore. L'autre nouvelle, première dame République, la Martine Moïse, accompagnée directeur général EPPLS, la Yvon Brisseret, directeur laboratoire national, la Yves Fritz Joseph, et puis délégué départemental Nord-Ouest, la visite ville Port-de-Paix mercredi 11 octobre, là, dans l'idée pour évaluer et puis renforcer intervention qui fait déjà dans le cadre accompagnement l'État à bail victime tremblement de terre 6 octobre passé à Lounel Jean-Louis avec Denis Jasmin était sous place, y a dit nous plus. Toujours dans l'idée pour nous qu'embé informer sur GFO l'État central avec autorité locale a fait pour continuer à accompagner la population nord-ouest là et spécialement ville Port de Paix. Donc nous connaissons qui était frappé par tremblement de terre qui était passé sous pays d'Haïti dans date 6 octobre passé. Nous toujours sous place dans le département, nous toujours dans Port de Paix pour nous qu'embé informer de toute action autorité a posé en termes d'accompagnement. Eh bien, mercredi 10 octobre 2018 là, première dame République là, qui était accompagnée avec directeur général EPPLS là, Yvon Brisseret, directeur général laboratoire national travaux publics, ensuite délégué départemental Nord-Ouest là, t'es visité diverses rues dans la ville Port de Paix, en cours Rougefra, zone et fond numéro 1, côté première dame, t'es chance d'entretenir avec divers membres en de population. Faut que nous disions tout, c'était l'occasion pour première dame de faire un coup de pied dans l'hôpital Immaculée Conception. Nous connaissons qui endommagé par tremblement de terre. Nous avons profité même occasion ça à tout pour te visiter une clinique mobile que Biwol mettait en place. Donc pour être capable de garder dans quel niveau de travail la soin à yo a avancé. Pour te voter président Jovenel, c'est pour te garder une servine. Et nous connaissons les nous gagnons cas. Nous avons un monde qui est là pour penser pour nous. Et le monde qui pense pour nous, pour faire action, pour venir sur le terrain, pour voir quel problème nous avons, et puis lui-même, pour faire action qu'il a pour le faire. C'est comme ça que le président Jovenel est venu déjà, il est venu avec PM et C1, il est venu visiter nous, il a fait un premier coup d'œil. Mon connaît fille, la fille vini, tout ce qui est pour nous, c'est le cas. Petit détail, on garçon pas ka wè, fi wè yo. Nous te votel, c'est pour te ka ban nou service. Et jodi a, la ban nou service la. Nous vini la jodi a, genye DG EPPLS qui accompagne, genye Laboratoire National tout qui accompagne. C'est de quoi que le président fin met tout sa mise en place yo, quand yo pas construit, c'est moun sa yo kapal la pour réaliser sa jodi a. Donc d'avance yo vini, pour construction qu'a fait on l'autre gens parce que l'on garde des cailles qui tombent c'est parce que nous n'avons pas de trop cob sorti café sorti bagarre il acheté pour sauver notre situation et pendant l'absorber notre situation il risque de perdre la ville. Donc c'est ça que fait que le gouvernement a regardé pour voir comment tu as pris en charge qui t'a fait pour construction qui t'a fait on l'autre gens. Gouvernement, PM, président, y a mis ensemble pour voir comment la vie nous a changé. Parce que si on voit construction, nous pas fait on l'autre gens, nous avons toujours le même problème encore. Donc comme moi dit nous sommes venus pour me garder tout problème qui gagne, tout petit ça président Jovenel pas moi-même à souhait pour me faire louer, vous comprenez? Nous-mêmes tout le ça pour la vie nous a changé. Donc moi, nous voulons toujours être solidaires avec elle, être solidaires avec le gouvernement, parce que même si nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas oubliés. Mais en août, quand nous avons commencé, nous avons bifurqué par un bain, quand nous avons fait, c'est sous lui qui travaille là, Koulia. Donc nous avons fait l'arrivée dans la ville de Bordeaux. Nous reprenons une fois que l'arrivée dans la ville de Port-de-Paix. Puisque tout le gouvernement qui est passé en vote, pas de jambe de commencer. Mais là, il a commencé. Mais s'il commence, l'obligé est fini. Et en août, c'est bon, on nous ferme un jour, on lève un jour, on ouvre les fêtes. Si c'est comme ça, on ne peut pas prendre la donne. Il n'y a pas de deux jours, on ne peut pas le caser. Donc, il y a une quantité de temps pour le prendre pour l'autre la cafette. Donc, nous voulons nous connaître que le président Jovenel, nous n'en pensons pas, c'est là. Parce que là, nous commençons le travail, c'est là, dans le jour où nous commençons. Là, fini dans l'aube. Mais nous ne pouvons pas oublier côté de notre sorti.
nous pas oublier côté nous sorti. Et là nous fini côté nous sorti c'est là n'a tourné. Ça veut dire que nous obligé ranger là nous tourner pour nous venir plus propre. J'ai encore en vol pas comme ça encore pour là nous tourner pour nous jouer dans le port de paix. Donc nous voulons nous connaître que président Jovenel avec nous. Nous voulons tout nous-mêmes pour ne pas jamais suspendre Corel. Jodia, nous accompagnons la première dame dans la visite à faire pour venir garder Abjel. Après la visite du président de la République, son excellence Jovenel Moïse, et premier ministre, son excellence Henri Séan, et bien la première dame nous visite pour venir garder qui Jean. Chaque passé pour l'État président de l'État, qui a écrasé, qui a endommagé pour le garde des bâtiments publics, et bien EPPLS, qui est l'institution qui est responsable de la construction de logements sociaux pour le peuple là, et bien il fait nous accompagner lui, et bien pour nous faire ensemble avec lui, et lui-même dans la recommandation qu'il va faire avec tout le président, pour nous reconstruire les gens qui écrasent. Et puis tout pour nous construire l'autre cas et tout à l'autre population. Hein. Alors pour nous, parce que mission EPPS, c'est construire logement pour nous qui sont vulnérables, pour les familles vulnérables, pour nous qui plient pour nous qui ont des problèmes. Et pour le port de paix, une commune, dans le département nord-ouest là, qui est très vulnérable à tremblement de terre, nous, la construction, en plus construction pas bon. Et bien, je vous dis à la, et bien, présence tout, c'est pour nous, abjurer nous. Et ensemble avec la première dame, et bien, intervention qu'elle nous a fait, et bien, après, passage, c'est ça qui a endommagé en pile caille dans le port de paix et dans l'autre commune encore. Et bien, là, il y a trois bagailles, caille qui pourrait faire net, caille qui mérite réparer, caille qui mérite écraser, et puis l'autre caille tout qui pourrait construire tout, parce que nous connaissons une pile population vraiment qui va avoir un logement décent pour y habiter. Et bien, président Jovenel Moïse, avec toute prémisse séant, et bien, nous connaissons, il y a fait des logements sociaux une priorité gouvernement dans cet axe prioritaire. Et bien, gouvernement Moïse, c'est hein, eh bien, on fait des logements sociaux. Nous commençons le travail déjà. Nous avons des projets, déjà des projets pour construction de logements dans le département nord-ouest, et particulièrement dans la ville Port-de-Paix. De l'autre côté, première dame République, Martine Moïse, visitée mercredi 10 octobre la ville Gomon, Gonaïve. Première dame, qui était avec le directeur général EPPLS, là, a constaté comment commune l'a après le tremblement de terre 6 octobre. Là. Nous invitons à suivre. Il était environ 1h30 dans l'après-midi. La première dame, nan Martine Moïse, arrivée dans la ville Gomon. Première dame, nan, qui était avec le directeur général EPPLS, là, devine constater des gars séismes en fait dans la commune, nan, dans l'idée pour accompagner les victimes. Moi, je devine pour me regarder qui problème nous avons gagné pour le président du conseil, le soir, le n'a pas nous avons échangé quelques bagages avec le conseil, même de petits bagages, pas de cas, et que lui-même, il a profité. C'est ça que je viens qui t'a accompagné. Directeur EPPLS là, parce qu'on connaît fort construction en fait en l'autre genre. Le tremblement était passé déjà en 2010, il est passé l'autre jour, là, la balle toujours repasse encore. C'est construction qui pour faire en l'autre genre. Nous gagnons compétences, nous gagnons des connaissances, c'est utiliser pour que nous gagnions de meilleures constructions. Visite ça, rentrer dans 4 virions, première dame, nan a fait dans différentes zones. Tremblement de terre, 6 octobre 2018 là, t'es touché. L'autre dossier dans le journal, la président commission mine et énergie dans la chambre député à Patrick Nozeus souhaitait que le gouvernement mette plus l'argent dans le budget pour le bureau mine et énergie pour faciliter la direction ça fait travail bien. Député Nozeus dit qu'il est nécessaire pour renforcer l'institution ça surtout par rapport à la crise tremblement de terre dans le pays. Il y a un extrait dans le micro, Fédéric Confident avec Moïse Ulbrich. Le bureau de mine et énergie est seulement 60 millions de gouttes annuelles. 60 millions de gouttes et pour investissement et pour fonctionnement. Donc ça, c'est un bagage qui est inadmissible pour que par rapport à rôle, par rapport à l'importance du bureau des mines et de l'énergie, seule institution dans le pays à nous gagner qui peut faire prévision, qui peut faire sensibilisation, qui en mettant des sismographes sur ensemble territoire, là, qui peut justement aider la population à prendre des mesures, à prévenir. Ouais. Donc malheureusement, l'institution ça n'a pas aucun moyen pour lui faire travailler. Parce que le bureau des mines et de l'énergie, je dis, hein, malgré toutes les promesses faites après 2010, le bureau des mines jusqu'à présent a un budget de 60 millions de gouttes. Bon, naturellement, dans le dernier rectificatif, l'homme t'a fait remarque là pour nous essayer d'ajuster le budget de mine et de l'énergie. Bon, malheureusement, nous connaissons ce bagage qui t'a fait tout ce genre de manière urgente. Nous sommes dans la fin et deuxième session. Année législative.
Donc ça pas dit en fait, mais c'est ça que fait moi commencer des collègues députés yo sur prochaine discussion n'a fait sous question budget république là pour que nous prenions en compte le budget du bureau des mines et de l'énergie pour que nous capables bali yo allocation budgétaire qui t'a permettre que il n'y a plus de moyens pour déployer techniciens, pour déployer, mettre plus de sismographes sur ce territoire-là, mettre plus d'instruments d'analyse et de prévision pour les MSAO. Donc c'est vrai que nous disons personne par contre qui le tremblement de terre a passé, mais ça qui est important, c'est la résilience qu'il faut renforcer. C'est-à-dire que ce n'est pas tremblement, ce n'est pas onde de choc yo, qui généralement cause des dégâts, ce n'est pas les ondes de choc du tremblement de terre qui causent en réalité des dégâts, mais c'est plus ouvrage d'art, c'est-à-dire voyage infrastructure, ça dépend de gens qui ont été faits, cailloux, immeubles, d'autres éléments infrastructurels, ces gens nous ont fait, c'est eux-mêmes surtout qui causaient des dégâts, qui causaient catastrophes lors des tremblements de terre. Électricité d'État d'Haïti, démarré depuis novembre 2016, avec travail pour passer câble en bataille pour bail courant dans le pays. Travail, ça doit aider à renforcer la capacité PELIG et puis fini avec l'installation traditionnelle. Il y a un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et puis Wilson Idoré. Travail, ça a commencé dans l'île à voie 17 pour Albout Delma 33. La permet électricité d'État d'Haïti construit une ligne en bataille cap évalué à 115 kV. Quantité ça pour renforcer capacité PELIG pour bailler plus courant dans le pays et puis améliorer performance EDH. Projet ça fait partie promesse campagne électorale président République Jovenel Moïse pour bailler pays à courant 24 sur 24. Système ça visé moderniser installation réseau électrique pour y mettre un bout dans le système traditionnel là côté c'est sous poteau câble courant yo te kon passé avec système ça courant a plus fiable et puis gain plus assurance. Ambassade de Chine Taïwan en Haïti organisé mardi 9 octobre yon réception dans Pétionville dans l'idée pour célébrer 107e fête nationale République Chine Taïwan. Réception ça a été déroulée en présence plusieurs membres du gouvernement et secrétaire d'État, membres corps diplomatique et consulaire, cadre dans administration publique là, acteurs dans secteur culturel et artistique là. Nous invitons à suivre. Réception ça a été occasion pour représentants de pays yo renouveler engagement yo pour renforcer liens amitié qui m'a connu yo depuis 62 l'année. Ambassadeur Chine Taïwan en Haïti a Chengao Wu présenté condoléances li bay population haïtienne nan surtout à moun ki victime pendant tremblement de terre 6 octobre là. Diplomate la promet pays a continuer supporter Haïti dans différents domaines tant que éducation à encourager investisseurs étrangers venir dans pays ya. Dans cette perspective, mis à part les projets déjà planifiés, des experts taïwanais se sont aussi engagés dans des missions d'inspection sur la faisabilité des grands projets d'infrastructure qui tient à cœur Son Excellence Monsieur le Président Jovenel Moïse. Au fait, la première mission du genre a été accomplie en septembre dernier avec pour cible d'inspection une route périphérique à péage, un chemin de fer transversal pour améliorer le trafic tant à Port-au-Prince que dans sa zone métropolitaine. Deux centrales électriques, dont l'une hydraulique et l'autre à gaz naturel, un port maritime de conteneurs à Mont-Saint-Nicolas et 150 000 hectares de parcelles de terre à arable à remettre en exploitation. J'espère que les retombées de ces inspections taïwanaises se feront sentir dans mon pays, notamment en matière d'investissement direct du secteur privé taïwanais en Haïti. Ministre Planification et Coopération externe, Jean-Claude Pierre, salue l'effort réussi de pays Taïwan fait après 107 l'année d'existence. Le ministre Pierre déclaré qu'il souhaitait pour relations entre Haïti et la République Chine Taïwan continuer à faire chemin li dans l'intérêt des peuples. Je voudrais également profiter de cette occasion spéciale
pour saluer les retombées positives des différents projets financés et réalisés par le gouvernement et les entrepreneurs taïwanais en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, le 107e anniversaire de la République de Chine, Taïwan, il faut toujours le rappeler, m'offre l'heureuse opportunité de féliciter le gouvernement de votre pays pour le modèle de réussite qu'il représente aujourd'hui dans de nombreux domaines. L'impressionnant dynamisme du peuple taïwanais et le souci constant de ses dirigeants à œuvrer au renforcement des institutions républicaines ont valu à votre pays, monsieur l'ambassadeur, le respect et l'admiration de ses pairs sur la scène internationale, et ce, malgré l'incompréhension dont il est certaines fois victime. Fête nationale République de Chine Taïwan, célébrée pour première fois en 1912. Fête ça, commémoré anniversaire soulèvement 10 octobre 1911 l'an, qui marquait fin dynastie Qing avec régime impérial là et puis fondation République Chine Taïwan. Député circonscription AKA Pierre Fekir Julien lancé un SOS by autorité yo sous situation insécurité qui gagnait dans AKA. Parlementaire a dit li gagne démarche la fait bon côté toute autorité locale yo dans l'idée pour organiser une rencontre pour pencher sous situation ça. Un extrait dans micro Fédéral confident ak Moïse Ulbridge. AKA fait la une, tout projecteur fixé sous population AKA gagne insécurité en permanence. Nous pas qu'à hériter en bon cité, la cité du drapeau, à Kaye qui c'est zone de référence, en zone de paix qui est transformée en zone rouge. Donc c'est pas possible de dire c'est assez. Et dans le mandat que nous avons, député Fekir, ça fait une quinzaine de jours, nous adressons une correspondance par le président Chambre des députés, à nous demander pour monter une commission d'enquête pour aller au secours de la population de la Kaye. Nous avons coordonné une réunion statutaire entre les autorités, les directeurs de services et les notables pour nous capables d'avoir occasion ensemble pour nous garder, pour nous faire état des lieux, pour nous harmoniser un plan de travail et pour nous garder ensemble comment nous allons conjuguer les efforts pour nous retirer à CAE dans la dimension que l'IA. Dans l'occasion 14e anniversaire, la mort ancien coordonnateur général OPLA, Jérôme-Pierre Charles, organisation a réalisé une journée porte l'ouvri qui te gagne la donne exposition à conférence débat sous plusieurs facettes sous la vie militant politique là. Coordonnateur pour la jeunesse dans l'organisation PEP Capilité à OPL fait qu'on est, c'est une journée réflexion pour continuer sous même ligne avec vision ancien coordonnateur. Nous invitons à suivre. Jeudi, c'est 14e anniversaire la mort premier fondateur Patia qui c'est alors premier coordonnateur général Patia qui c'est Jérôme-Pierre Charles que jeudi a noté décidé directoire général directoire OPL là t'es décidé de faire une journée porte ouverte dans ce premier temps nous t'es recevoir en pile et dirigeants d'autres partis et de personnalités qui t'es venu visiter activité que nous avons fait dans la partie A. Et dans l'autre occasion, nous avons fait une conférence qui était présentée par le professeur Sauveur-Pierre Etienne sur la vie de Jérôme-Pierre Charles et, en tant que savant, en tant que politique et en tant que tout ça qui était fait dans la partie A. L'OPL était OPL. En dehors de toutes les activités qui sont capables de gagner, même si Jérôme-Pierre Charles c'est un ancien coordonnateur, mais c'est toujours l'idéal de Jérôme-Pierre Charles. L'idéal, c'est pratiquement les mêmes personnalités. Toujours gagner ancien coordonnateur Sauveur-Pierre Etienne, qui est passé, qui est là comme présentateur de conférence temps. Et gagner actuel coordonnateur général de l'OPLA, Edgar Leblanc-Fils, qui c'est en même temps un membre fondateur de parti. C'est pratiquement toujours les mêmes personnalités, toujours d'activité. C'est toujours continuité qui gagne dans le parti. Ce n'est pas seulement Jérôme-Pierre Charles en tant que premier coordonnateur qui a une vision du parti, c'est toujours même idéal là, c'est même activité que tu vas entreprendre. Et c'est là, amis téléspectateurs, journal La Boute pour aujourd'hui. Nous te prenons pile plaisir pour informer. Nous invitons à rester sous télévision nationale d'Haïti pour reste programmation. Bon après-midi tout le monde.